donc me réjouir du fait que mon pays accueille aujourd'hui le Forum foncier mondial en terre africaine. Et je dois dire que le thème est un thème aujourd'hui central, un thème qui préoccupe tous les pays, particulièrement les pays en voie de développement ou les pays en voie d'émergence. Et c'est la raison pour laquelle toutes ces expériences qui ont été développées à travers le monde sur la gestion du foncier vont certainement servir au Sénégal, qui a déjà mis en place sa commission de réforme foncière et qui pourra donc s'enrichir des expériences des autres pour trouver en tout cas les meilleures solutions, les meilleures propositions à faire au chef de l'État et au gouvernement en ce qui concerne la gestion de notre foncier pour notre pays. Souvent, les gens mettent en conflit les exploitations familiales et l'agro-business. Mais je pense que les exploitations familiales ont toute leur place, ont d'ailleurs une plus grande place, parce que jusqu'à maintenant, l'essentiel de ce que nous mangeons, l'essentiel de ce qui nous permet de vivre, ce qui nourrit le Sénégal, ce qui nourrit l'Afrique et même le monde, ça nous vient en tout cas aujourd'hui des exploitations familiales.